Y'aura voilà, peut-être un peu de retour pour la vidéo, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur la revanche FA17 avec Zerbi. Salut à toi. Salut. Donc voilà, c'est parti les mecs. Donc on va prendre les mêmes équipes. Lui il avait l'Atlético, le 7-1 je l'avais mis, donc voilà, plus de con l'Atlético. Moi j'avais, je sais même plus j'avais qui. Ah la Juve, ouais. Donc dernière fois c'est 7-1, mais c'était sur FA16, donc il va prendre sa revanche les mecs. Donc voilà, hop. On va faire le petit gestion d'équipe les mecs. Ouais, franchement je vois pas trop ce que je pourrais changer. L'équipe a juste bien tapé. Ouais, non, c'est bon comme ça. Regardez juste cette équipe, y'a rien à changer quoi. Ouais. Carrasco. Je sais pas où là. Saoul. Ouais, c'est un MC en plus. Vas-y, mais Carrasco, après tout ça. Ça se voit, c'est un MC et il est. Il est juste sur le flou en Carrasco. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais. Moi, je suis bon, moi, je suis bon. Bonne technique. C'est ce que j'allais faire aussi. Donc là, si vous entendez moi, c'est normal parce que j'ai cassé mon casque. Maintenant, je rejoue avec le ancien microphone. Oh bon, les échauffements, on s'en fout quoi. Donc moi je suis la Juve, hein, et lui la Juve. Ouah, il nous a baisé. C'est parti. Donc bonne chance, mec. Ouais, j'ai quand même prendre un petit 7-0. Mais non, ouais. Ça c'était du passé, c'était du passé, ça. Oui, maintenant. J'ai plus de mal, mais plus le 17. Alexandro. Ça fait que bien. Là j'ai une bonne attaque. Guillaume. Daniel Ruiz. Pjanic avec une trois personnes, si ce n'est un adversaire. Oui, il vient tacler, mais ce n'est pas fini. Ce serait bien franchement qu'il gagne les gars. Comme ça fera une belle revanche. Pourquoi il défend bien, franchement. Ça va être difficile à le marquer, les gars, parce qu'il défend super bien. Ah oui, allez, Aguain. Ah, trop long. T'imagines, je te l'aurais mis, là. Je venais de dire, il défend bien, en plus. Ouais, t'as 7 pour consenser les gars, c'est normal. Ouais. Marquis. Ah, dommage. Okay. Pour ceux qui se demandent, c'est normal s'ils parlent pas beaucoup, car bref, c'est la même chose. Moi, par exemple, si on se ferait un 1v1 sur NBA, ils parleraient tout le temps et moi, je parlerais pas, parce que ouais. C'est pas... il est pas vraiment dans le foot, il aime bien le foot, mais... mais voilà, il connaît pas trop les joueurs, moi c'est la même chose. Je ferais pareil si on se ferait un envers sur un billet, voilà, c'est juste pour la petite précision. Moi genre j'aime combien commenter et tout, tu vois, toi tu ferais pareil sur un billet, ouais. Donc là c'est... Oh ouais, j'ai pas regardé. Oh mais ouh, je suis chaud. Enfin, pas chaud. Voilà. Et on a de bonnes chiffres. Oh! Oh, bah je m'en occupe. Alexandre. La vitesse. Va vite, mais. Il a choisi de centrer. C'est solide, la petite colle, les gars. Il a joué un petit peu comme en monde. Faut tout à dire. Ah, non. C'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est quoi qu'on puisse dire? Toujours 0-0, les mecs. Ouais. Pereira Carrasco. Le ballon est gardé pour tout le monde là. Voilà. Tu l'as vu sur la ligne du Bala. Ouais, c'est là. Il s'avance dans la surface. Ah, dommage. Un ballon qui est perdu. Oui, Kedira. Marquisio. Kedira.
Donc, Pjanic, on sait que t'as une grosse frappe. Ouais, mais pourquoi t'as tiré du gauche, Pjanic? Carrasco, mon gars. Ah, Coquet, il est rapide. Hein. Wow. Alexandre, beaucoup aussi. Allez, attention, il se rapproche de l'adversaire. Il se rapproche. Non, c'est il récupère le ballon. Heureusement, il y avait danger. Hein. Marquezio. Pjanic. Ah, dommage. Prends des précautions, il dégage les lions, donc c'est bon. Il dégage les lions aussi. Allez, allez. Le tout pour Benayel, qui, avec tous ses succès récents, reste le deuxième joueur du capital espagnol. Le Real déteste plus qu'il le Barça ou l'Atlético. Ah, je dirais le Barça quand même. Ah, je crois pas. Ah non, c'est pas bien fait ça. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Oui, tu l'as vu, Dybala. Allez. Donc, j'ai pas qu'on jouait aujourd'hui. Ah, je sais pas, j'ai joué hier, mais. Ballon intercepté par Kalinic. Allez, Higuain, tu l'accordes, allez, oui. Higuain. Voilà, Higuain, les mecs. 1 but à 0. Gonzalo Higuain. Donc, j'ai eu un petit contre favorable, donc un peu de chance. Regardez, j'ai eu un contre là. Ouais, j'ai eu un gros contre. Énormément chat. Et puis là, je croise bien et au black, il n'a même pas branché. Voilà. Ah, je suis quand même fier de moi, parce qu'avant, quand même marqué, je pense à la 5ème minute ou quoi. Ouais, et je gagne, je crois, 3-0 à la mi-temps, mais je sais pas. Là franchement je préfère des matchs comme ça parce qu'il y a du suspense là et je suis pas trop serein là les gars, je suis pas trop confiant là. Ouais, je me dis que tout peut arriver sur sur une action, il peut tout changer. Donc Marquezio. Je pense qu'il a quand même un bon niveau, il sait jouer donc Très bien défendu. Ça va être chaud parce que ma défense à 3 et une fois il va avoir du mal, mais je pense qu'il peut le faire. Il va me mettre avec les gars. Oh, il l'avait juste à côté avec Griezmann. Oh les gars, j'ai eu peur. Il avait hyper bien joué, il m'a bien. Oh, ça passe à ras du poteau, mais t'as vu. Tu le frôles lui. Donc on essaiera d'aller au terrain même s'il fait pas très bon. Ouh, quelle erreur j'ai fait. J'ai fait une erreur les gars et il égalise avec Kevin Gamero. Ah, ça fait plaisir franchement. C'est plaisir que le match se lance comme ça. En fait j'ai voulu la mettre à Alexandro. Ah non, à Chiellini pardon. Et les gars, en fait il s'est bougé au moment même. Donc, ça relance le match, nickel les gars. La revanche là les gars. Je vais essayer de gagner moi et lui aussi il va essayer de gagner. Donc, ça fait plaisir, un petit but de Xavi. Il est chaud. Oh, tu l'as vu Alexandre? Il garde magnifiquement le ballon. Très belle séance de conservation. Le petit coup, c'est solide. Du point, le gardien. Barzagli, c'est peut-être une frappe de merde. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ah, il faut récupérer les gars. Je vous avais dit, hein, sur une frappe, il pourrait tout changer. Il a eu une frappe, il a changé le match. Oh, le coup de physique que j'ai mis, mec. Oh non. Nine. C'est bien, ça va faire un petit match nul à la mi-temps. Nickel. Le match est vraiment plaisant à regarder pour vous, les gars. Ouais, attends, je regarde vite fait les stats, j'ai pas vu. Donc, il a deux tirs. Et un but, j'ai 4 tirs et un but et j'ai 61% de possession à 39. Donc c'est plutôt équilibré niveau des frappes et possession, il y a un petit écart. Allez, là, c'est bon. Parce que j'ai beaucoup de passes au début du match et puis lui il est parti en contre. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Maintenant en plus de champion et tout, c'est ce qu'il faut faire. Moi je me fais dominer en possession et tout. Et je pars en contre et je marque les buts. C'est ce qu'il fait. Mais bon, c'est différent, hein, le normal et le jeu, mais ça reste quand même une bonne tactique pour les deux. Oh, il y a tout. Bon dégagement. Sors, Buffon.
Ouais, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle allait aller dans tes pieds. Oui, allô? Allez, Gwen. Oh non! Je voulais pas faire la passe, mais il l'a fait. Tu as appuyé sur X, ça commence pas. Allez, récupère. Wouah! Je t'ai découpé, mec. J'ai la jaune. Ouais, jaune pour Barzagno, les gars. Ça va, de toute façon, j'ai quand même Ben Nassia, si on a un qui se prend une rouge. Mais Ben Nassia n'a rien à voir avec la défense à 3. La belle défense à 3. Oh, a passé au B qui était passé. C'est pas grave. Imagine ça reprend longue. Puis on prend pénalty après. Ah, pénalty tu me défonces. Ouais non, pénalty j'arrive pas à le tirer. Avec la flèche oui, mais si je mets pas vu qu'avec la flèche tu verras, tu vois. J'ai pas du tout envie d'aller au pénalty parce que. Bon, avec la flèche c'est facile, mais sans la flèche j'ai plus la main. Attention, ça peut être dangereux. Oh. Gamero. Pouh. C'est une occasion de prendre l'avantage qui s'envole. T'aurais dû enrouler ou ouais. Choper du droit. Parce qu'il est droit. C'est Griezmann qui est gaucher. Hop. Wouah. Ah, il joue bien là, il me domine. Ça fait plaisir. C'est longtemps de la musique. Régale avec Griezmann. Il prend sa chance. Il doit rester dans les mains. Bien joué. Voilà, Polo. Allez, Polo. Waouh. Grosse jaune là. Je me laisse. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Écoutez la réaction de lui, bien, avec les visiteurs qui jouent la note, qui prennent leur temps sur chaque arrêt de jeu, ça les agace. Hein. Ouais, c'est la chance d'aller dans l'esprit par un bon gros temps additionnel. Du gauche, le refusé du gauche il est pas mauvais. Hein. Je savais qu'il avait des bonnes. 3 ou 4 étoiles de nouveauté, je crois qu'il a. Donc, je savais pas qu'il avait une aussi bonne frappe du gauche. Ah, oh, comment ça se passe? Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. C'était quoi cette passe? Je croyais qu'il y avait quelqu'un sur la gauche. Incroyable. Ils font tourner, ils prennent le temps. Hop. Attention, il y a un peu d'espace. Pas de but en fait dans cette deuxième mi-temps. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Il y a Marquisé. Ouais. Oui, allez. Ah! Dommage. Il joue la sécurité. Ouais. Ah, peut-être un changement de possession après ce tacle. Fais-moi aussi ça de fondre. Ah, mais ta vitesse, on va aller. Ouh, Marquisé, augmente ta tête. Non, 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 non. Récupère, ça comme ça. Oui, allez, Pjanic. La petite balle, la Pjanic. Voilà, Pjanic, tu es dab. Voilà, je savais qu'il avait une grosse frappe, le petit Pjanic. Alors, j'ai voulu non tenter la lucarne. Je me suis dit, oh, Black, il va l'avoir direct. Eh ben non, les gars, voilà. Pjanic qui marque le plat. Et Bonucci, j'ai fait un bon travail. Et là. Je croise avec Pjanic. Au but. Je me suis dit, il va l'avoir, c'est au Black. Et puis je me suis dit, allez, croise. Je sais qu'il a une grosse frappe Pjanic, on voit tant que. 2-1 les gars. Ouais, là je mène, mais c'est une chose que. Vous avez dit que j'allais pas gagner 7-1 encore. C'était vraiment un coucou de chance. Et ça me prouve sur cette vidéo. Il y en a beaucoup qui croyaient que il était vraiment pas très fort et tout, mais.
Il y a un bon niveau là, vous voyez dans cette vidéo de toute façon. Non, non. Allez, on peut relancer son équipe maintenant. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, bien joué. Ouais. Ah, c'est pas passé. T'es venu gagner. Mais il est bien quand même un peu sur cette interception. Voilà, moi je suis venu quand même. Allez, Alves. Allez, attention, ils sont à gauche de l'adverse. Ils ont décidé de poser les jeux. Allez, tente ta frappe. Ouais. Ouh, bah l'arrêt de la part du bloc. Ça sera un corner. Allez, il y a moyen de mettre une petite tête là. Allez, les gars, là. Allez. Petite bicyclette. Le score qui ne bouge pas, à la fin du match approche. On sent que la moindre accélération. Tu fais, mais non, c'est quoi ces vieilles pertes de balles bêtes? Il y avait qu'un homme qui pressait. C'est vraiment bête de faire le porteur de bien voir leur équipe égalisée dans ces dernières minutes. C'est que 1-2. Hein, c'est serré, les gars. Ça va être des niveaux de score, les gars. Quel autre. Allez, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Et bien, là je lui mets à l'attaque. L'arbitre a accordé 3 minutes. Mais qu'est-ce qu'il a fait ton gars? L'occasion de se mettre à l'abri, définitivement peut-être sur ce corner. Bonucci. Allez, oui. Dibala. Voilà, Dibala. Voilà, là on finit le match à la 90e. Voilà, les gars. 3 buts à 1. C'était un bon match, franchement. Ouais, j'ai été un peu récompensé de le voir sur la fin. Ouais, voilà. Il place bien son mauvais pied en plus, Dibala. Hop. Petit point en plus. C'était notre premier match de la journée chacun. Donc, c'est ça qui était bien, parce qu'on n'a pas fait d'échauffement avant, mais rien. Hein. Oh, peut-être. Allez, ça me va. Oh, pas de moi. Voilà, 3 buts à 1. C'était un bon match, franchement. Tu m'as fait flipper quand t'as marqué un 1 là. Puis t'as eu quelques petites dominations. Donc, c'était un bon match, les mecs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, j'ai quand même une légère domination. J'ai eu 10 tirs, il en a eu 4. Et j'ai eu la possession. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo. Et donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous et ciao! Bye to you.